Et bonjour à tous, c'est David, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre survie sur cette île paradisiaque, puis-je dire, je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut dire que l'île est paradisiaque. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai passé une nuit, j'ai récupéré la totalité de mon endurance. Mais en revanche, j'ai chopé encore une intoxication alimentaire. J'ai juste à refaire un petit remède. Et je pense que ça repartira de plus belle. On ira beaucoup mieux comme ça. Ici, on avait, j'ai pas, je n'ai pas du tout de combustible. C'est dommage. J'ai de la nourriture. Après, j'ai dormi. On était pratiquement fin d'après-midi. J'ai dormi jusqu'au petit matin. Et là, ce que j'aimerais essayer de faire aujourd'hui, c'est de trouver cette zone. Alors, apparemment, la grotte. Je ne sais pas si c'est la grotte où on est actuellement. J'ai vite fait regarder, je ne sais pas trop. La lettre, ça, je l'avais lu, ils ne disent rien. Là, d'accord, c'est la grotte. Mais après, on ne voit aucun truc qui dit. Journal. Une carte avec l'endroit où la longue vue a été laissée. Je vais trouver cet endroit. Carte de l'île de l'espoir. Alors, est-ce que c'est là où on est? Donc, si c'est ça, ça veut dire que l'entrée de la grotte est là. Vu que nous, on a la mer ici. Donc, faudrait aller carrément. Carrément ici, quoi. Et faudrait y être en pleine nuit. Le temps qu'on y arrive, je pense qu'il fera nuit. On a à manger sur nous, on a à boire sur nous. D'ailleurs, on va boire un petit peu. On n'a pas à boire sur nous. Les noix de coco, c'est pas grave, il y en a partout. Ça, c'est pas bien gênant. On va éviter de rester trop au soleil. Là, ça va, c'est encore le matin. On a beaucoup d'ombre encore. Météo actuelle partiellement nuageux. Ok. Alors maintenant, il faut garder cette direction jusqu'au bout de l'île. Oh, je l'ai pas vu, le serpent. Oh, je fonçais tête baissée. Je n'ai pas vu le serpent. Et on s'est fait légère intoxication. Venin de scorpion traité. On en a fait un, je crois. Là, on en a fait un utilisé. Bon, bah voilà. Ça, c'est quoi? C'est des orties. Ok. Ça, c'est de la camomille. La camomille, il m'en faut encore. Il nous faut des grandes feuilles aussi. Eh, faut pas que je cours comme ça, tête baissée, parce que. Des petits bâtons, on va en récolter encore un petit peu. On a tellement de mal à les voir. Les serpents, ça c'est des morceaux de gomme de Jatoba. Yatoba, je sais pas. Oh, je regarde partout maintenant. Ok, ça c'est un bout de bois. Pas d'inquiétude des villes, tout va bien. Il y a un arbre là-bas qui clignote. Qu'est-ce que c'est? Un arbre ou un rocher? Une tête en pierre. Chanson de l'âge d'or.
D'accord. Ok, bah écoute. Et on avait aussi la carte des ressources, voilà. Donc maintenant, il faut qu'on trouve un grand arbre aussi pour découvrir cette zone. C'est quoi? Ah, c'est les arbres qui m'ont blessé, je crois. On va éviter de courir. Hein. Oh mais j'ai lancé. Attends, je veux juste récupérer. Voilà. Laisse-moi tranquille. Merci. Bon, ça va, ils nous font presque pas de dégâts, eux. On va se dépêcher d'aller là-bas. Essayer de trouver un petit peu d'ombre. Ah, ça doit être là-bas, non? Ah ben, on a le temps d'y aller. À manger. Un poulet. Impeccable. Poulet sauvage placé dans l'inventaire. J'avais pas vu, ça se trouve. Ah, on a les mains pleines de sang. On peut se laver les mains. Une tortue ici. On peut se laver les mains là. Eau salée, prendre, d'accord. Eau salée, sélectionner un contenant. Non, d'accord. Et on peut pas se laver les mains là. Là, on va pouvoir le boire. Hop là, celle-là aussi. Ok, il y en a plein ici aussi. On va les ramasser, on a de la place. Boire et manger. On va se mettre là. On va se mettre là et puis on va faire des... Hop là. De l'eau de coco. On va faire ça aussi. Voilà. Et on va boire un petit coup. Noix de coco, c'est pas ça. Et moi, je veux juste ça, boire. Voilà, une seule. Alors, apparemment, ça serait ça là-bas, non? Alors, comment on y va? Maintenant, ça a cassé, je crois. Non, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Fabrication, est-ce qu'on peut se refaire une lance? Une lance en bois. Non, il me faut un long bâton. Un long bâton. Où est-ce que je peux trouver un long bâton ici? Ça, c'en est, je crois. Le truc, c'est que l'animal, il est collé, il est juste à côté. Il est juste derrière là. Avant qu'il vienne vite, il me faut une lance. Ouh! C'était ric-rac. Allez, on se dépêche, on y va. J'espère que c'est là. J'espère que je me suis pas trompé. Niveau 2 en force. Très bien. Et j'espère aussi qu'il n'y aura pas de prédateur. Déjà, il y a un serpent ici. Oh. Attends, Bobby, s'il te plaît. Je me fais une autre lance. Celle-là, je peux la jeter. Fabrication. Hop. Hop. Voilà. Excuse-moi, mais... Cette fois-ci, je te rate pas.
Voilà, et je prends ça et toi, je ne peux pas. Ok. Oh, des grandes feuilles. Il m'en fallait. Par contre, il y a des serpents partout là. Ça se trouve, je pouvais récupérer l'autre aussi. Ça s'est fermé. Là, on peut pas y rentrer. Ah, est-ce que c'est là? Non, mais on a trouvé de l'eau. Parfait. Ça ne me dit pas. Je peux monter sur cet arbre-là. Celui-ci là. Élément ajouté, sculpture mur. Ah bah si, on peut rentrer ici. Ça, c'est des os. Des os de quoi? Plume. Oh, il y a plein de trucs là. J'ai activé un truc derrière. Je crois que j'ai activé un truc. Par contre, il manque élément sculpture murale 4. Il m'en manque plusieurs. Alors, est-ce qu'ils sont dans le coin? Il y en a un en bas. Et descends doucement ici. Oh, j'avais dit doucement. Ouais, ça, c'en est un, ça. Oh, c'est quoi ça? Eh, ça m'a fait peur, ça. Oh, je l'ai raté. Maman! Au secours! Je l'ai touché. Il y a encore beaucoup de vie, on peut tenter. Je l'ai raté encore une fois. Niveau vie, ça va. On est vraiment pas mal encore. Non, tu veux pas me bouffer? Est-ce que tu veux me bouffer? Il sait pas. Il réfléchit. J'en ai perdu ma lance. Hey Marcel, t'as de ferraille. Là, il n'y a rien par là. Il a l'air de rien avoir par ici aussi. On peut le mettre dedans. C'est pas par là. Ah, c'était de l'autre côté, c'est vrai. De toute façon, on va attendre la nuit parce que c'est que dans la nuit qu'on voit le... Qu'est-ce qu'ils nous mettent en bas? Éléments, sculpture murale 1 et 2 requis. Il nous disait que de toute façon, fallait qu'il fasse nuit pour voir les lucioles. Pour trouver la longue vue. Le truc, c'est qu'on pourra pas dormir ici, je ne pense pas. J'ai vraiment pas envie de retomber sur un serpent.
Oh, le lancer. Eh, ma lance. Elle a mangé ma lance. La poule. Long bâton. On va se refabriquer, c'est pas grave, on va se refabriquer. Par contre, ça, oui, on n'a toujours pas les cordes là. J'ai pas cherché encore. Ah, d'accord, on a tout débloqué. Ok. Une scie en obsidienne. Une aiguille en os de poisson. Eh ben, on va rester comme ça. Je ne peux pas faire ça. Un animal me pourchasse. Depuis tout à l'heure, il me pourchasse là, mais. Objet requis corde. Maman, je veux des cordes, s'il vous plaît. Et tu veux pas te prendre une patate? Alors tout à l'heure j'ai eu la chance de trouver une corde sur la plage, mais alors là... Est-ce qu'il me pourchasse toujours lui là? Ou je peux faire ma lance en bois? Bah c'était sûr ça. Pourquoi tu t'es blessé mais t'es vraiment nul, c'est incroyable ça. On dirait qu'il y a des lucioles là-bas, non? Ou est-ce que c'est un bug graphique? Parce que je rappelle que le jeu est toujours en alpha. Il est sorti il y a 2 ou 3 jours, il est toujours en alpha. Mais non, c'est pas un bug. Laisse-moi tranquille, toi, la moufette, là. Et là, c'est bien des lucioles. Il parlait de lucioles tout à l'heure. Des lucioles à l'endroit où il a laissé la longue vue. Très intéressant, mon cher Watson. Il y a un autre endroit là-bas. Et là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Oh, mais lui, faut il faut qu'il vienne m'attaquer quand je regarde l'inventaire. Mais il est incroyable, lui aussi. Pour moi, ça serait bien ça. Hein. La légende dit que la longue vue est restée à l'endroit où les lucioles sont visibles la nuit. J'ai regardé celui-ci tout à l'heure, on va aller voir l'autre là-bas. Là, il n'y a rien, mais il y en a là-bas aussi, je crois. J'ai cru en voir au bout là-bas. Ou alors j'hallucine. Non, il y en a bien ici.
Bah c'est là. Où est la longue vue? Eh Gérard, t'as mis où la longue vue? Bah elle est juste par terre. Impeccable! Allez à la montagne. Hein? Quelle montagne? Il doit y avoir un passage jusqu'au sommet des montagnes, les Indiens. Parvenait à atteindre des endroits très hauts ici. Elle est à la montagne. Ouais, mais le truc, c'est que... Carte de la région. Carte de la région. Oula, expédition régionale. Pour partir une expédition dans cette zone, vous devez être à la barre du navire ou avoir un des objets de l'ensemble suivant. Apprendre le plan pour un meilleur navire. Obtenir les indices vers les mots. D'accord. Bah maintenant, faut qu'on arrive à dormir. On va reprendre des feuilles au cas où, je ne suis pas sûr d'en avoir. Comme ça, on va pouvoir se faire un lit. Faut qu'on trouve des lianes aussi. On peut lancer notre hache. Je ne savais pas. Là, c'est le site que j'ai vu juste avant et où il y avait l'oiseau la première fois. On va lui voler des œufs, les plumes surtout, et puis les appâts, là. Eh, pourquoi il me pourchasse? Il n'y a personne qui me pourchasse, là. Allons dormir. J'ai envie de faire un lit là-dedans. On va en faire un lit là. Il y a un morceau là. Il nous manque plus que le morceau 1. Je l'avais sous les yeux, je le voyais même pas. Il y a une corde. Bah il y en a deux. Mais je suis aveugle. Du coup, il nous manque plus que le morceau 1. Dépeçage 1, lancer 2, force 2. Et ici... Coûte 1 PA, on en a un. Meilleur sommeil, apprentissage, alchimie... contrôle de la soif, résistance au poison, résistance aux maladies. Concentration, c'est quoi ça? Déverrouille le mode de concentration disponible avec le raccourci V. Les armes, les munitions et les sacs abandonnés sont en surbrillance. Oula, c'est compliqué ça. Qu'est-ce que je peux prendre? La soif, honnêtement, la soif et la faim, on la contrôle très bien pour l'instant. Meilleur sommeil. Ok, alchimie, déverrouille le secret de fabrication de potions panacées. Ça, ça peut être pas mal, on va apprendre ça. Voilà, et ici, donc du coup, ça nous a donné la longue vue. Ça augmente la cartographie de 25%, donc c'est pas mal. Et en fabrication, on a appris... On peut faire des cordes maintenant, cordes en liane. Ah mais 21% de chance de blessure, on va pas le faire. On va essayer juste de fabriquer un lit. Ça va être là... Un lit banal. Et puis on va le mettre là.
On va le mettre l'entrée là, on va se protéger ici nous. Y a pas de vent, pas de soleil, pas de pluie et pas de nuisibles. Parfait. Je veux dire, ok. Où est-ce qu'il est mon lit? Là. On va dormir un peu. Il y a, ouais, on est bien avancé dans le temps là. Viande crue, noix de coco. Et on a rien d'autre à manger. Il aurait fallu qu'on fasse un feu. Oh, j'ai mangé le cru. Oh non, je me suis trompé de touche. La maladie empire, vos conditions empirent. Lorsque votre état général se dégrade, divers états peuvent décroître. Dans les stades les plus sévères, les maladies affecteront directement votre santé. Prenez un remède pour arrêter la progression des maladies. Vous pouvez fabriquer des remèdes grâce à diverses espèces de plantes. Ok, donc là c'est une indigestion, une intoxication alimentaire niveau 3. Il faut de la camomille et des grandes feuilles, mais j'en ai pas. J'ai une diarrhée. Un animal me pourchasse. Mais non, mais il me pourchasse pas. Hey Bobby! Hey, s'il te plaît, Bobby! Il faut faire une corde pour déverrouiller ça. On le fera après. Martin, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'attaquer? Ou partir? J'aimerais bien dormir, moi, en fait. Où est-ce qu'il peut être le dernier morceau? Et puis alors, déjà quand en normal, en plein jour, j'ai du mal à le voir, mais alors là. En pleine nuit, comme ça. Et là ça ramène ici. J'avais une lance là. Est-ce que tu peux me l'équiper s'il te plaît? Ah oui, c'est celle qui est cassée. Et tu veux toujours pas fabriquer? On est toujours pour chasser. 21% de chance. Oh, j'ai réussi à dormir un peu. Ça veut dire qu'on n'est plus pour chasser. Alors, est-ce que je peux faire maintenant la lance? Voilà, et je voulais faire aussi la corde. Maintenant, il me pourchasse, mais j'y crois pas. Il ne manque qu'un morceau de la tablette là. Elle est forcément dans le coin, mais pour la trouver. Qu'est-ce que c'est que ces plantes là? De la sauge. On peut mettre la corde maintenant, on n'est plus pour chasser. C'est quoi ça? Des platonias? On va juste en prendre un pour voir ce que c'est. Ça doit être de la nourriture, hein, je pense. J'ai requis corde, ben, bien sûr. Platonia.
Nous, c'est la... On a la diarrhée, mal de ventre, légère indigestion, diarrhée, c'est ça qu'il nous faut. Eh ben, on peut en faire un, mais il nous faut un feu de camp. Feu de camp. On peut en faire un. Vite, on va en faire un ici. On va l'allumer. Il n'a pas réussi à l'allumer. Toujours pas. Enfin, allez vite, jus de camomille, c'est ça qu'il nous faut. Il nous a vu de là-bas, lui? Hey, Marcel, s'il te plaît. J'aimerais bien crafter mon truc là. C'est ça qu'il nous faut. En même temps, on va faire cuire la viande là. Viande grillée. Non, j'ai fait éteindre. Mais non. Niveau 3, on a allumage de feu, c'est bien ça? Eh ben, remets du combustible dedans, allez. Soyons fous. Maintenant, fabrication. Ça, tu vas me faire les trois. Les quatre. Les crabes, tu en as pas. Ça, tu en as un. Allez, hop. Montage, tu peux pas. Ça, tu peux pas. Ça, tu peux pas. Ça, tu peux. Un autre. Impeccable. Il refait nuit et les journées elles passent tellement vite. C'est incroyable. Oh, c'est quoi ce qu'on a là? Légère indigestion. Jus de camomille. Ou poudre de serpent et d'araignée. Et jus de camomille, je viens d'en prendre un à l'instant. Je me tape une indigestion d'avoir fait... d'accord. Ah oui, c'est vrai, la corde maintenant. Plan, corde fabriquée. Voilà, on met la petite corde et on va aller découvrir tout ça. Hop, cartographie. Appuyez sur T pour passer le temps. Ah oui, mais c'est juste patienter ça. Bah non, j'aimerais aller dormir alors moi. Il y a un autre truc qui clignote tout au bout là-bas là. Faudrait qu'on aille voir ça. Où est-ce qu'on descend? Il a perdu, c'est ici. Non, descend. Pendant qu'on est là, est-ce qu'on n'a plus rien à faire cuire? Je crois pas. Hein. Et on a ça encore. On en a deux. Pas assez de combustible. Ouais, bah j'aurais rien. J'ai plus rien à mettre dedans. Faut pas qu'on se fasse voir par le rapace. Maintenant qu'on a appris à faire des cordes, on va pouvoir apprendre à, enfin, à faire un arc. Et des flèches, ça va pouvoir être mieux. On a faim, on a soif encore. Là, normalement, tu peux me sortir les deux. Ah bah oui, mais il s'est blessé, mais je crois pas. J'ai pas fait gaffe.
Et ça, on peut pas s'en faire. Je peux quand même dormir. Ou pas. On a fait cuire de la viande tout à l'heure. Mange ça. Et là, ça devrait être bon. Allez, 7 heures. L'animal me pourchasse. Mais lui, il m'enquiquine. Hein. Faut absolument que j'arrive à le tuer, lui. Impeccable. Le feu va être éteint, évidemment. Il me faut du bois. Je vais essayer d'en récupérer un petit peu ici. Mais non. Attends, j'ai plus ma lance. Eh, hey, Bobby, s'il te plaît. Coup critique. Allez, des longs bâtons, j'en prends 4. Ah, durabilité de la hache. Je peux la réparer? L'animal me pourchasse encore, mais lequel? Il faut que j'arrive à le tuer, honnêtement. Voilà, c'est pas compliqué. Merci. Maintenant, il va me ficher la paix. Durabilité. Ah oui, c'est vrai. Je devais faire ça et réparer. Maintenant, je peux récupérer les grands bâtons. Hop. Fabrication. Ici, on peut faire un allume-feu et broche. Pratique, je pense. Un arc. Il nous faut une corde. Et on peut en fabriquer une. On va la fabriquer. On va se faire un arc. Il nous faut un établi. Oh, c'est pas vrai. Ceinture en liane. Qu'est-ce que ça donne un... Il nous faut un établi aussi. Cartouchière. Il nous faut un établi aussi. Ok. Ici, on a déverrouillé ces coffres-là. Une canopée. Établi normal, établi de menuiserie. Un sèche-pot. D'accord. Là, c'est une gourde en noix de coco. Un lit en feuilles portable. Oh, ça, ça peut être bien aussi, ça. Maintenant, faut qu'on arrive à... Oh, mais non, pas toi. Eh, hey, mâche! Mâche! Ma vie, elle descend beaucoup, là. Faut faire gaffe. Hop, on va juste faire ça. Allez, s'il te plaît, allume. Allume feu brisé. Non. Il me faut un petit bâton. Eh, s'il vous plaît, un petit bâton. Un petit bâton. Un petit bâton. Là, il y a un petit bâton. Ah non, là, il y en a plein, je crois. Voilà.
Le feu de camp, il est là. C'est très très compliqué, honnêtement. Hop. Hop, maintenant qu'il y a le bois, tu peux allumer. Un dégât infligé par la soif. Marcel, s'il te plaît, attends, parce que là, je vais... Ça va augmenter un peu la soif. Ça, tu peux manger aussi. Impeccable. Les deux palourdes, ça donne quoi? Faut que je fasse gaffe, j'ai toujours l'intoxication alimentaire. Ça c'est cuit, là il n'y a rien. Là il m'en faut un. Et normalement ça serait bon. Oh, qu'est-ce qu'on a chopé encore à l'estomac? Cartographier. Déshydratation fatale. Mes signes vitaux sont dangereusement bas. Ma condition a empiré. Bah regarde. Il pleut bois? Ça redonne que de la vie. Ça va augmenter un tout petit peu. Ça, c'est un trophée, d'accord. J'ai rien qui peut augmenter la vie, la soif. Fabrication. Des noix de coco, il n'y en avait pas au sol, je crois. En plus, j'ai une blessure niveau 2. Bah, descends de là, s'il te plaît. Ça donne quoi? L'estomac, c'est quoi ça? Légère indigestion et blessure normale. Un remède, on n'en a pas, il nous faut un feu de camp, mais bon, il va s'éteindre à chaque fois. On l'avait mis là. Est-ce qu'on peut l'emmener là-bas? Ça serait bien. Une fois là-bas, ça va nous dire, vous êtes trop loin. Bon bah voilà, on peut le mettre là, c'est impeccable ça. Impeccable, ajoute un petit peu de combustible là. Allez hop, tout ça. Un remède, on peut pas, il nous faut des feuilles larges et des feuilles étroites. Feuilles étroites, c'est très simple à avoir. Mais alors, feuilles larges. Ah si, là-bas. Il devrait y avoir des noix de coco là-bas. Un tas de ferraille. Ok.
S'il vous plaît, je veux des noix de coco. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Que des feuilles. Des feuilles, on n'en avait pas. Tiens, on va en prendre un peu. Là, il y en a. C'est bon, il s'est pas blessé, j'ai eu de la chance. Fabriquer eau de coco. Ça aussi, fabriquer un. Oui, vas-y, fais. Inventaire. Ça, tu peux boire. Et boire. Ça, manger. Eh ben, ça va déjà beaucoup mieux. Là, il y a d'autres noix de coco. 20% de chance de se blesser. Le matin se lève. On a fait une nuit blanche encore, c'est incroyable. Les grandes feuilles, j'en trouve pas là. Ici, je ne sais pas où je peux en trouver. Et c'est pareil, le morceau de carte là qui nous manque, je ne sais pas où il est, moi. Il serait pas là le petit morceau là? Oh, c'est quoi ça? Deux dégâts de par la plante? Arrête. Tu fais des trucs comme ça. Ça, c'est juste pour trouver des os. Il n'y a pas de grande feuille, hein. Pas de grande feuille, je trouve pas le dernier morceau pour l'instant. Il nous en manque plus qu'un en plus, hein. Ça va être compliqué de se faire des bandages. Allez vite. Bonjour, bonjour, bonjour. On peut toujours pas. Non, c'est ça qui nous manque. On est trempé, blessure normale et blessure légère indigestion. Il dort au moins 4 heures là, que ça te fasse un petit peu de bien quand même parce que... On va bientôt être plein aussi. Allez vite, fais ça. On va passer la journée juste à crafter ça. On ne peut pas, ça non plus, ça non plus. Ok, ça non plus. En bâton.
Il y a des orangers là, de la camomille, harpie, la sauge. Un coin de pêche ici. Ça c'est quoi? Un dattier. Harpie là, je l'ai tué. Est-ce que les grandes feuilles elles sont indiquées aussi là? Sanglier. Là-bas. On en avait trouvé là-bas. Eucalyptus, bah c'est ça, je crois. Je pense que c'est ça, de toute façon. Mais alors, pour trouver de l'eucalyptus, là... En plus, on peut pas se refaire de cordes. Non, il nous manque des lianes. Les lianes, j'en ai pas trouvé encore. Je les ai juste trouvées ici, par terre, là. Mais là, il n'y a plus rien. Je ne sais pas où est le dernier morceau. Oh! Ah bah. Voilà. Merci. On a trouvé le dernier morceau. Qu'est-ce que ça va donner de remplir ça? Chanson de la fontaine. D'accord. Ok, d'accord, c'était un petit... petit énigme. On a réussi à résoudre. Parfait. Parfait, parfait. Mais là, on est toujours bloqué. Fabrication. Ah, des flèches en bois, on pourra en faire plein. C'est ce qui coûte le moins cher, c'est beaucoup plus simple à faire en plus. Et là, on a un point de talent. On prendrait pas meilleur sommeil. Ouais, on prend ça. Allez. Et il va falloir qu'on arrive à faire des lianes. À trouver des lianes, pardon. Et là, de toute façon, on a tout fait cuire. Ça fait chaud. Trois fois, je crois que je regarde. Ça, c'est quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On peut trouver des bananes. Des bananes grillées. Ça serait cool ça, non? On va aller rechercher des longs bâtons. Ah, on peut se faire un gourdin pour se défendre, c'est peut-être bien aussi ça, non? Il est où mon gourdin? Ah, il tape vite en plus.
Ok, bah nickel. Nickel, nickel. Bon, ça va être tout pour cet épisode. Pardon, excusez-moi, je suis fatigué. Il est extrêmement tard chez moi. Il est 2 h du matin, pour être précis. Je disais, ça va être tout pour cet épisode. N'hésitez pas à bombarder la barre des pouces bleus. Si vous voulez que je continue l'aventure, bien évidemment. Et me dire en commentaire si le jeu... Que vous pensez du jeu? Je vous ai pas demandé durant la première vidéo. Donc n'hésitez pas à celle-ci. Je vous dis à la prochaine, c'était Devil. Surtout, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Pardon, je vais y arriver. À la prochaine. Ciao, ciao.